Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé, n'hésitez pas un seul instant. Vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. 30 minutes à 30 euros, 1 heure à 60 euros. Donc, n'hésitez pas un seul instant. Nous allons continuer les signes du zodiaque pour le mois d'août 2020 dans le domaine sentimental pour le moment. Nous verrons les vidéos dans le général plus tard. Donc là, nous allons travailler pour vous, les amis Bélier, ascendant Bélier, planète en Bélier. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous rappelle que ceci est un tirage général. Il ne remplace pas une consultation en privé qui vous permettrait de parler vraiment de vous, hein, je vous le rappelle. Donc ça peut vous parler ou pas du tout. Ça peut parler de plusieurs possibilités en fonction de ce qui ressort des cartes. Donc pas de panique, hein. Prenez ce qui vous concerne ou ce que vous ressentez pour vous les béliers, ascendant bélier, planète en bélier, dans le domaine sentimental pour le mois d'août. Allez, commençons tout de suite et voyons ce que nous avons comme message pour vous les béliers. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les béliers? Ouh! La carte a sauté. Alors, peut-être avez-vous vécu ou avez-vous vécu ou vivez-vous une situation qui vous enferme, je dirais. Voilà, je vais dire qu'il vous enferme, qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus. Donc, on ressent une réelle détresse, je dirais, pour vous, les béliers, du moins pour certains d'entre vous, bien entendu, pas pour tout le monde, peut-être parce que vous vous sentez emprisonné. On sent que... Alors, cet emprisonnement, ça peut être soit vous êtes sous le joug de quelqu'un qui, effectivement, a un certain ascendant sur vous. Dans tous les cas, l'emprise reste un ascendant. Donc, si par exemple, vous êtes, on va dire, en dépendance affective vis-à-vis d'une personne que vous n'avez pas, enfin, que vous ne voyez plus ou que vous attendez son retour, on vous parle d'un visuel. Donc, il y a bien un retour ou du moins un visuel de cette personne sous lequel vous êtes attaché. On vous dit que peut-être que vous bercez d'illusions par rapport à ce retour. Peut-être attendez-vous de sa part, que ce soit un homme ou une femme, une sorte de révélation ou de compréhension par rapport à la situation. En fait, je sens que vous allez être déçu par ce visuel ou ce retour et vous semblez être complètement perdu par rapport à cette situation, ne sachant plus trop quoi croire. Excusez-moi. Vous vivez un petit peu dans cette illusion du passé où vous aviez peut-être eu des projets ensemble, pourquoi pas d'avoir un enfant ou de fonder une famille, mais également des projets, pourquoi pas d'achat de maison ou de se mettre en couple. Et effectivement, vous êtes perdu entre peut-être cette personne qui vous avait promis des choses qui n'arrivent pas et ce qu'il y a aujourd'hui. Voilà, ce que vous attendiez, on vous avait peut-être même fait une promesse de mariage ou d'engagement qui n'y sont pas. Donc, je vous sens vraiment, pour certains d'entre vous, perdus par rapport à une situation que vous ne comprenez pas et qui vous empêche en fait d'avancer parce que le visuel, vous en aviez besoin, vous en avez peut-être besoin pour avoir des explications. Et là, on parle d'illusion. Donc, j'ai presque envie de vous dire, c'est comme si vous alliez être déçu du résultat puisqu'on ne vous donnera peut-être pas, entre guillemets, ce que vous attendiez au niveau du résultat, en fait. Donc, je pense qu'effectivement, vous risquez d'être déçu par rapport à cette rencontre. Vous sentez peut-être très connecté avec cette personne. C'est ce qui fait que vous ne comprenez pas. Alors, flamme jumelle, ça voudrait dire qu'effectivement, c'est toujours le problème. Il y a une différence de niveau énergétique entre les deux. Il y en a un qui est très éveillé, qui a conscience, l'autre qui l'est moins. Donc, le travail sur les flammes jumelles est quand même assez, on va dire, lourd de conséquences. Donc, c'est vrai que c'est souvent des relations très compliquées, très ambiguës. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident pour vous d'y voir un peu clair. Cela peut être aussi et concerner d'autres personnes, ceux qui ne vivent pas dans les situations dont je vous ai parlé. Peut-être allez-vous rencontrer une personne avec laquelle vous aurez une véritable connexion. Alors, les outils, ça parle également pour les deux, autant comme
pour ceux qui ont été guéris ou qui sont prêts à faire la rencontre, eh bien, je dirais que vous êtes prêts à faire cette rencontre, ou du moins pour ceux qui vivaient cette situation un petit peu compliquée, on va le dire comme ça, tout d'un coup, eh bien, vous allez peut-être utiliser des outils. Alors, quand je dis d'outils, peut-être la kinésiologie, peut-être des soins énergétiques, peut-être un travail même sur vous-même pour pouvoir effectivement évoluer avec cette situation. On sent bien qu'effectivement, vous êtes, je dirais, pour moi, assez éveillé, quel que soit le type de situation que vous vivez, que ce soit une nouvelle rencontre, vous êtes ce que j'appelle connecté, ou que ce soit que vous vivez cette situation de flamme jumelle assez compliquée, vous êtes connecté. Donc, il y a vraiment un éveil spirituel dessus. Mais vous voyez, on est vraiment dans la phase de guérison. Donc, toute cette situation est nécessaire pour peut-être guérir de vos peurs, de votre attachement émotionnel, de pouvoir vous libérer en fait de cet attachement avec cette flamme jumelle, ou de la comprendre différemment de manière à pouvoir la vivre beaucoup plus sereinement. Et effectivement, ça va prendre du temps, me dit-on, et beaucoup de temps et beaucoup de patience. Donc, c'est vrai que vous, amis Bélier, parfois vous en manquez, mais là, vous allez en avoir besoin pour pouvoir, on va dire, être dans la compréhension de cette situation et peut-être avoir un déclic. Le déclic, c'est toujours pareil. Cette personne que vous allez rencontrer ou avec laquelle vous vivez une situation un petit peu compliquée, les deux sont possibles, vous aurez le choix soit de la continuer, soit de l'arrêter. Voilà, donc je pense que le déclic, il viendra là. Je dirais que pour ceux qui sont sur une flamme jumelle, où effectivement, il va y avoir un travail, il va y avoir peut-être un ressenti, il va y avoir peut-être des choses qui vont se mettre en place, eh bien, vous allez peut-être guérir de vos mots MAUX, et lui aussi ou elle aussi va guérir de ses mots MAUX. Voilà, et pour ceux qui vont effectivement faire cette rencontre, eh bien, peut-être que vous aurez effectivement eu ce parcours de guérison tout seul et que vous serez prêt rencontrer cette personne et de la prendre ou pas. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune obligation dans cette prise. C'est vous qui voyez si vous avez envie de vivre cette relation amoureuse ou pas. Voilà. Alors, voyons voir maintenant qu'est-ce qu'on vous donne comme message pour vous les béliers, ascendant bélier, planète en bélier pour ce mois d'août au niveau amour. Qu'est-ce qu'on vous donne comme autre message pour vous? Voyons voir. Alors, bélier, mois d'août, sentimental, quel est le message? Ben écoutez, on commence par le même mot que tout à l'heure, addiction, attachement. Il y a bien quelque chose à guérir là-dessus, donc il y a bien une addiction affective, je dirais, hein, pour la plupart, qu'il va falloir effectivement travailler et guérir pour pouvoir avancer sur ce chemin d'éveil et pour voir enfin être à votre place et non plus, on va dire, souffrir, puisque bon, l'amour, c'est pas fait pour souffrir. Donc, on vous parle bien de vous et de ce travail à vous. Donc, ce n'est pas à l'autre, c'est à vous de travailler sur cette forme d'addiction. C'est ce qu'on vous disait également tout à l'heure. Pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir prendre un nouveau départ, une nouvelle prise de conscience. Donc, c'est important pour vous. Et on vous parle toujours de vous. Donc là, on est dans l'action. Là, on est dans l'intuition. Énergie masculine, on vous demande de vous mettre en action pour aller vers ce renouveau en travaillant sur cette dépendance affective. Et avec l'intuition, on vous demande effectivement de peut-être prendre un temps de pause et un temps de réflexion de manière à savoir ce que vous souhaitez ou ce que vous ne souhaitez pas. Et en toute intuition, c'est-à-dire en toute détachement. Vous voyez, il faut vraiment que vous soyez dans ce détachement complet, émotionnel, en suivant effectivement cette guérison. Donc pour vous, c'est vraiment le fait d'apprendre à vous détacher. On parle bien encore de séparation. Donc ça veut bien dire qu'il va falloir effectivement, même si vous attendez un visuel avec cette personne, vous détacher de cette personne pour pouvoir vraiment vivre et comprendre ce qu'il vous faut. Là, c'est vraiment un terme de guérison pour vous. Et c'est bien ce que je disais, vous avez bien une décision à prendre en votre âme et conscience. Donc celle soit de poursuivre ce cheminement avec cette personne, soit d'arrêter avec cette personne. Voilà. Et la même chose pour ceux et celles qui feront cette rencontre s'ils ne l'ont pas encore fait.
Donc, il y a un recul nécessaire par rapport à la situation amoureuse que vous êtes en train de vivre ou que vous allez vivre. À vous de voir si vous en avez envie ou pas. En tous les cas, on le disait bien, il y a bien une rencontre également pour ceux qui n'ont pas encore fait cette rencontre, on va dire, de flammes jumelles. Voilà. Et en tous les cas, on vous dit que cette rencontre vous amène, tous les espoirs sont permis. Alors, toujours pareil. Premier groupe, parce que là, il y a deux groupes. Premier groupe, je pense à des personnes qui vivent ou qui ont vécu quelque chose, une séparation avec une personne un peu, on va dire, dépendance affective, où on est dans une sorte de toxicité ou peut-être même, on va dire, de flamme jumelle. Donc, c'est compliqué. Il va falloir prendre du recul, prendre conscience, se mettre à l'action, etc. Et pour les autres, eh bien, effectivement, vous avez déjà fait ce travail en amont de guérison. Donc, vous êtes sur la possibilité de rencontrer quelqu'un où tous les succès sont possibles, c'est-à-dire que vous avez tout à fait la possibilité de continuer avec cette personne. Ou pas, c'est vous qui déciderez de ce choix. Parce qu'on vous dit bien que les choses bougent et avancent, donc il y aura même, on voit bien une continuité avec cette nouvelle rencontre de quelque chose qui va se construire, du moins si vous le souhaitez pour vous les béliers. C'est bien entendu, c'est votre choix, c'est votre décision, c'est vous qui décidez d'y aller ou pas, même si effectivement, peut-être qu'avec cette flamme jumelle, ça peut être un petit peu plus, on va dire, compliqué ou quelque chose qui sera pas nécessairement, on va dire, super simple pour vous. On continue avec l'oracle Xavam. On va voir quels sont les messages pour vous, les béliers, ascendant bélier, planète en bélier, pour ce mois d'août 2020. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Quels sont les conseils? Alors, décision à prendre. Donc ça, on sait que vous avez des décisions à prendre. Prenez conscience de votre valeur et ne vous bradez pas. Donc, il y a bien des choses à comprendre et à assimiler pour vous. Eh oui, l'un des partenaires domine l'autre. La dépendance affective bloque les souhaits. Une situation où personne sous emprise. Donc, on vous le redit bien. Il y a bien une dépendance affective qu'il va falloir peut-être penser à guérir. Écrivez votre histoire, la loi d'attraction, donnez-vous les moyens de réussir. Ben, on a l'énergie de l'homme, passez à l'action, bien sûr. On est quand même dans une période de chance, on a des belles opportunités qui vont s'ouvrir à vous, qui vont peut-être vous permettre de prendre ces décisions par le biais peut-être d'une rencontre. Hein, parce qu'effectivement, vous voyez, je parle de rencontre, on me dit rencontre lors d'un déplacement. On a le mouvement. Peut-être qu'effectivement, ça va vous permettre d'avoir ce déclic. Alors, ce n'est pas une rencontre amoureuse, c'est peut-être une rencontre d'une personne qui va vous éveiller ou qui va vous ouvrir les yeux. Parce qu'on vous dit bien de prendre son temps et de prendre le temps de comprendre. Donc, il y a bien ce temps de recul nécessaire et d'isolement pour voir les choses plus claires. On a bien la reprise de contact, comme je vous disais, donc le fameux visuel avec cette personne que vous attendez, hein, qui fait toujours partie peut-être de votre cercle amical d'ailleurs. La rencontre peut se faire également dans votre cercle amical pour ceux qui sont en attente de cette rencontre. Mais on voit bien qu'il faut, on a le bien-être, le moral, l'équilibre émotionnel. Il faut vraiment que vous arriviez à trouver quelque chose qui est bon pour vous. Donc, on a toujours ceux qui vont faire cette rencontre où ça va bien se passer parce que le chemin de guérison a été fait et ceux qui sont dans la possessivité, dans le manque de confiance en soi et qui sont effectivement dans la dépendance affective. Donc, c'est bien ça. On vous demande durant cet été hein, de pouvoir faire ce travail sur vous hein, de manière à pouvoir vous investir peut-être dans une relation beaucoup plus saine. En tous les cas, j'ai vraiment le côté aussi investissement dans la nouvelle rencontre. Donc, la nouvelle rencontre pour ceux qui ont guéri, eh bien, je dirais, on va sur du long terme et on ne va pas sur du court terme puisqu'effectivement, on voit des projets d'aménagement mais également des projets pour une vie à deux en achetant, pourquoi pas, un bien également. On continue avec les anges de l'amour. Donc, qu'est-ce qu'on dit pour les béliers, ascendant bélier, planète en bélier pour ce mois d'août 2020? Quel est le message que l'on veut vous transmettre? Alors, on a libérez-vous et gardez l'esprit ouvert. Donc, on a bien ce côté de vous libérer, le temps de reprendre le contrôle de votre vie. Hein, voilà. Et on vous dit bien qu'effectivement, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous rencontrez. Donc, il y a bien quelque chose, il y a bien une rencontre. Hein. On vous dit que votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Peut-être qu'effectivement, des croyances limitantes ont fait qu'aujourd'hui, vous avez du mal à passer l'acte, à passer à l'acte en vous séparant de cette personne. Mais on vous dit bien qu'il va falloir laisser partir cette personne
Donc, on vous le redit bien. Et pour ceux qui vont faire cette rencontre tant attendue, vous pouvez aimer sans crainte. Donc, on a vraiment les deux, hein, on a vraiment les deux possibilités, même d'une construction avec cette personne pour avoir des enfants. Donc, on est bien sur du long terme pour cette nouvelle rencontre. On est bien dans la passion pour cette nouvelle rencontre. Donc, on est bien, regardez ça, on est bien dans l'engagement. Donc, c'est bien sur quelque chose qui va durer. Hein, et on a bien cette forte attraction avec cette personne. Donc, il y a bien cette rencontre pour certains. Regardez, d'entre vous, on va sur l'engagement sur le long terme. Hein. Et pour les autres, on vous dit bien attention, drapeau rouge. On a bien les deux, hein, ceux qui vont effectivement sur une construction. Et les autres, on vous dit qu'il est temps d'ouvrir les yeux, hein, et de vous mettre en garde parce que vous méritez bien l'amour. Et ce que vous vivez actuellement n'en est pas. Faut-il encore ouvrir les yeux, amis béliers, de manière à pouvoir prendre les bonnes décisions et vivre enfin en paix avec vous-même. Donc, situation difficile, que ce soit flamme jumelle ou avec une personne en relation karmique ou quelque chose de très fort, qui vous avez du mal effectivement à pouvoir couper les liens, n'hésitez pas à vous faire aider pour pouvoir passer ce cap. Allez, on termine en trois cartes. Quels sont les derniers conseils qu'on peut donner pour nos amis Bélier, ascendant Bélier, planète en Bélier? Donc, on voit bien qu'effectivement, la personne que vous allez rencontrer est sûrement une personne divorcée, en tous les cas, donc célibataire et libre. Donc, ça, c'est top pour ceux qui sont dans ce renouveau. Alors, hop. Regardez ça, on parle bien d'âme sœur cette fois-ci spirituelle pour la rencontre. Ben oui, puisque vous aurez guéri, donc vous ne serez plus dans cette dépendance affective. Hein. Donc ça, ce qui est parfait. Et vous voyez, pour les autres, on est dans ces dépendances affectives. Donc je le répète, c'est bien cette guérison. Pour ceux qui sont dans une sorte de marasme, c'est ça qu'il faut guérir. Pour les autres, on rencontre la personne et c'est votre âme sœur spirituelle puisque vous aurez déjà fait ce travail. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois d'août, excusez-moi. Plein de belles choses, je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous, à bientôt, au revoir.